Mais on a des avions qui se sont posés ça. Ouais, ils se posent, hein. C'est pas, ils peuvent se poser, c'est ils se posent. Hein. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'avec nos machines, c'est pas la peine d'attendre les organisateurs. Oh, et l'accent, il est bourguignon. Hein, parce que j'étais stagiaire. Oui, mais il... Je ne sais pas. Il venait avec moi. Alors, c'était quand même pas mal, hein, la jeunesse. Très vite. Et en fait, j'avais des arcs, j'avais, ça devenait noir, j'avais une perte au niveau des bougies. Par contre, en fait, j'en connais beaucoup qui mettent un fil de fer pour les... Donc le petit avion, les propriétaires sont pas là, donc on va vous en parler. Oh ben écoute, c'est un avis de flyer, hein, voilà. C'est, on se rend compte que derrière la cloison pare-feu, il y a une petite vignette, il y a une petite image du pape Jean-Paul II qui est punaisé. Donc j'ai décidé de la... Ça ne me serait pas venu l'idée de la mettre, mais j'ai décidé de ne pas l'enlever. Mais je lui ai fait une petite visite quand même quand j'avais racheté la machine. Voilà, on est mieux comme ça. Voilà. Il a quatre roues cet avion. Ça, c'était le petit père. Moi, je suis vraiment le dernier. Le dernier Mohican. Un petit père qui travaillait avec Hubert. Ouais. Ça s'est mal passé d'ailleurs parce qu'il avait la maladie de mal ranger les outils. Ils sont à deux ans, ouais. Si on veut des chevaux. Quoi, non, mais c'est, ça m'étonne. Ça à deux. Il a dit le standard américain, c'est pas 72 kg, c'est 86 kg. Et en taille et en machin. Donc il faut faire plus grand, plus large, plus haut. Terminé. Ah, ça, c'est le kit force. Ah ben, ça, c'est le kit force. Wow. Bien sûr, il faut pas le prendre d'origine. Ouh là là, ça vaut. Eh, dis donc, la bascule est pas la même. Ça a été très difficile, l'enfoncement. Donc là, ce qu'ils appellent, chez Jabiru, ils appellent ça la ramère. Là. Non, mais c'est un avis canalisé, donc clair, sur le dessus. Donc, pour des essences, parce que les indices d'octane qui vont mettre. Et là, je te jure, tu as l'accélération, tu as le coupé au cube. Pas le moteur, le réducteur, une rondelle. Avec quoi, des générateurs de vortex? Non, des extensions d'ailes. Ah, des extensions. Ah oui, mais 70. Oui. Alors, il y en a deux à tige, je crois, d'ailleurs. Enfin, nous, on en connaissait un. Parce que j'en ai vu un avec des générateurs de vortex. Pourquoi? Hein? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi il y a des pneus lisses? Hein? C'est lisse. C'est bizarre comme appareil. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en Perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, ces fluctuat nec mergitur, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie. En ouvrant une bouteille de Gevrey par un copain à cette eau. J'ai dit qu'il était mieux en apéritif qu'en chanson. On pourrait s'y méprendre. Ah, ça fait une perruque un peu étrange. Oui, oui. Ah, c'est rigolo. Merci. Salut, connaissant, on va dire. Oui, mais il me manque un avid. Bah oui, il manque son avid. Il vient d'où, de Chartres? Oui, il vient de Chartres. Il était venu l'année dernière avec un avid flyer jaune. Attends, il est où, Serge? Oui, c'est là où Thomas, c'est là où Thomas fait du... C'est là où Thomas fait du plein. Est-ce que... Mais...
verre. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuat nec mergitur, c'était pas de la littérature, n'en déplaît. Avec l'amphore, mais les plus étroits. Alors, je vous ai rendu compte du mois, effectivement, l'école ne fonctionne pas. Je me prends des gouttes. Ça, c'est par Jacques. J'attire votre attention. Nous allons porter un toast aux Avidiens. Ah oui, quand même. Un toast un petit peu spécial. Ah oui, bah oui. Je vous demande simplement de suivre. Voilà. Allah, Allah, Allah. À la santé des Indiens qui nous régale aujourd'hui. Ce n'est pas de l'eau de rivière, encore moins que celle du puits et du puits. À la, à la, à la, à la santé des Indiens qui ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuat nec mergitur, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus,
L'évangile, il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapins. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait. 100 ans après qu'aucun ressort, il manquait encore.